Le format de cette visioconférence est prévu dans un format de 45 minutes. Le parcours de Lucie Randouin est intéressant parce qu'elle a rayonné de Lyon et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Lucie Randouin a aussi ouvert un lien entre terre et océan. Alors, pour trouver justement ce lien entre terre et océan, je vous propose de porter un œil ouvert sur le territoire et sur les terres de ses racines. Alors, ce qui frappe lorsqu'on découvre le CV académique de Lucie Randouin, c'est qu'il entre en écho avec une histoire de découvreur, de pionniers propres au territoire. Cet héritage se perpétue aujourd'hui dans les domaines de la science, dans les domaines aussi de l'innovation, de l'agroalimentaire, de l'économie et de l'éducation. C'est aussi un décloisonnement qui est orienté vers d'autres territoires. Et on va le découvrir avec le grand bouillonnement scientifique de Lucie Randouin, cet oiseau migrateur entre science et nature. Et cette dynamique collaborative de décloisonnement s'inscrit aussi étroitement dans le rayonnement de Lyon au-delà des océans. Souvenez-vous, la Bourgogne a aussi développé des chemins de mémoire avec les explorateurs du Nouveau Monde. Il existe encore aujourd'hui des échanges avec le Québec, avec des associations de jumelage, avec des amicales France-Québec qui témoignent de cette ouverture vers d'autres cultures. Et je pense que ce qu'il est important de retenir avec Lucie Randouin, c'est qu'elle a été une pionnière et qu'elle a particulièrement réussi à décloisonner des disciplines. Je reviendrai plus tard sur les innovations qu'elle a apportées, en particulier avec le métier de courtier en coquillage, mais aussi le savoir-faire horloger qui s'est aventuré dans l'agroalimentaire et dans des recherches sur la nutrition santé développées par mon arrière-grand-père. En tous les cas, c'est ce parcours d'oiseau migrateur entre les disciplines que je vous propose de découvrir ensemble. Et merci à tous pour votre participation à cette visioconférence. Alors, un oiseau migrateur entre science et nature, je l'évoquais en introduction, Lucie Randouin a eu une vie académique et scientifique très riche dans des institutions prestigieuses. Mais je vous propose de revenir tout simplement sur sa vie. Lucie Randouin est née sous le nom de jeune fille Fandard et elle sera agrégée de sciences naturelles en 1911. À une époque où l'agrégation était essentiellement réservée aux hommes. C'est une enfant du pays d'Hot et elle est née dans une très belle petite commune qui s'appelle Bœurs-en-Hot. Alors, son parcours est inédit puisqu'elle fut la première femme biologiste à l'Académie de médecine à imaginer, comme je vous l'évoquais, notre futur entre science et nature. Après le décès de Marie Curie en 1934, aucune femme n'est entrée à l'Académie de médecine avant Lucie Randouin. Et un siècle plus tard, ce qui montre toute l'actualité du débat dans le contexte sanitaire qu'on connaît aujourd'hui, la place des femmes dans les institutions médicales reste congrue, extrêmement limitée, ce qui montre l'incroyable esprit avant-gardiste qu'a pu avoir Lucie Randouin en défrichant
les sciences et tout particulièrement le domaine de la nutrition. Alors, le cursus est impressionnant. Je ne peux pas tout mentionner quant à sa carrière extrêmement prometteuse dans la recherche et l'enseignement. Seconde femme agrégée de sciences naturelles, elle a été la première femme à enseigner à la faculté de médecine de Paris et elle termina sa carrière comme directrice générale du honoraire du CNRS. Et elle a également encouragé l'émergence d'une école, une école publique de diététique à Paris qui a pris la forme d'un lycée technique avec un confrère très connu qui est le père de la nutrition, de la diététique française, qui est Jean Trémolière. Alors, il existe, pour ceux qui connaissent un peu la région lyonnaise, un hôpital dans le sud de Lyon qui a un centre de recherche qui porte le nom de Lucie Randoin. Alors, j'ai fait quelques recherches et malheureusement, en région Bourgogne-Franche-Comté, il y a assez peu de lieux, de noms de rues ou de monuments qui feraient justement référence à sa grande activité de bouillonnement scientifique. Alors, quelque chose qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'elle a assuré aussi un rôle actif pendant les deux guerres. Elle a notamment assuré, à titre bénévole, la direction des travaux pratiques au laboratoire de physiologie de la Sorbonne, en l'absence du chef de travaux et des préparateurs qui étaient tous mobilisés sur le front. Il faut également souligner sa contribution pendant la Seconde Guerre mondiale, où elle a notamment conservé des sérums et des vaccins de l'Institut Pasteur dans les sous-sols de l'Institut d'hygiène militaire de 1943 à 1944, à destination principalement de la résistance. Et enfin, dans son laboratoire de physiologie de la nutrition, elle a hébergé temporairement un prisonnier évadé, un membre du comité directeur de l'OCM, l'Organisation civile et militaire de la Résistance, et également une traductrice bibliographe d'origine russe, naturalisée française et de confession juive, sans oublier des envoyés au STO, au service de travail obligatoire, pendant l'occupation. Alors, son rôle de plaidoyer, de prévention en matière de santé publique ne s'est pas arrêté là, puisqu'en vue du maintien de la santé publique dans un contexte extrêmement difficile, hein, de mémoire des conflits, Lucie Randoin a aussi effectué clandestinement des conférences, conférences sur l'alimentation en zone libre, mais aussi en zone occupée. Alors, c'est un travail aussi inlassable de vulgarisation de ses recherches que Lucie Randoin a mené à travers des conférences. Elle a été la première scientifique à reconnaître le rôle fondamental des vitamines, où le sujet était, dans une époque de pénurie alimentaire, extrêmement occulté. Et Lucie Randoin fera justement face à une importante levée de boucliers, de conformisme intellectuel qui avait justement assez peu exploré le rôle des vitamines pour l'organisme. Et elle aura des correspondances régulières, notamment sur le rôle du calcium, avec mon arrière-grand-père, Théophile Lognonnet, qui a fondé les industries probiomères. Alors, de 1910 à 1957,
Le bouillonnement scientifique de Lucie Randouin se traduit dans des publications. On en comptabilise près de 500. 500 publications scientifiques, c'est énorme. Elle a aussi organisé à la radio, mais aussi à la télévision, des chroniques, des interventions, notamment dans le cadre d'une émission qui s'appelait Tribune de la santé. C'est aussi une ambassadrice des sciences, qui participe aussi à de grandes conférences internationales, et elle va s'insérer dans des réseaux scientifiques européens et internationaux. Elle représente la France à la Société des Nations. Elle participe aussi à des congrès scientifiques à Boston, sur la côte est des États-Unis, à Bruxelles et également à Rome, mais aussi en Suisse. C'est une défenseuse de l'équilibre alimentaire et elle a soutenu de nombreux travaux pour en faire le plaidoyer dans ce sens. Elle a aussi fait des liens très importants entre des problèmes d'alimentation et des problèmes d'alcoolisme, d'où l'importance de se nourrir avec des aliments sains, des aliments naturels, des aliments qui ne soient pas trafiqués par les humains. Et ça, c'est l'héritage de Lucie Randouin en matière de nutrition santé. Si vous avez la possibilité de retrouver ses écrits, des ouvrages scientifiques qu'elle a publiés, c'est un élément qui est très prégnant. J'y reviendrai plus tard, notamment dans le lien des recherches qui ont été développées par mon arrière-grand-père qui a pu avoir des échanges épistolaires avec Lucie Randouin, en particulier dans le domaine du calcium et des minéraux marins. Alors, la contribution plus large qu'a apporté Lucie Randouin à la recherche, mais aussi à l'innovation, je me permets d'insister sur ce point, c'est vraiment le prisme de l'innovation ouverte, c'est-à-dire trouver des complémentarités, des conjugaisons entre les disciplines. Je vous en parlais en début d'introduction du rôle de la Bourgogne pour façonner la Nouvelle-France en Amérique du Nord, au Québec. Eh bien, de l'autre côté de l'Atlantique, on a des centres de recherche, on a des universités, des laboratoires d'excellence qui réussissent ce pari et qui portent encore aujourd'hui des noms historiques de cette belle région, Bourgogne, Franche-Comté, où sont partis les pionniers de la Nouvelle-France. Et à Montréal, par exemple, on arrive à passer d'un laboratoire de biologie moléculaire à un laboratoire d'intelligence artificielle sans que votre café ne devienne froid. Et je crois que c'est l'héritage de Lucie Randouin, c'est d'être cet oiseau migrateur entre science et nature. Alors, je vais vous parler d'une aventure étonnante, une aventure réelle. C'est précisément l'influence de ces travaux pour développer les industries probiomères qui ont été fondées par mon arrière-grand-père. Je vais, pour aborder ce lien, vous parler d'une horlogerie, d'une bijouterie-horlogerie dans la baie du Mont-Saint-Michel qui avait comme emplacement historique la grande rue des Stuarts. Alors, pour bien comprendre ce lien tout particulier entre l'horlogerie, les minéraux marins et l'univers de la nutrition, je vous invite à vous éloigner des paysages magnifiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de regarder plus particulièrement le littoral. En vous imaginant sur une plage,
Je sais que c'est un peu difficile dans ce contexte difficile de confinement, mais en vous imaginant sur une plage, vous pouvez bien souvent apercevoir des coquillages sur le sable, et ces minéraux marins constituent une très grande richesse, car en réalité, sans le savoir, vous êtes entouré de calcium, et le calcium, c'est la vie. Je vais revenir plus précisément sur la reconversion d'un savoir-faire horloger qui a été utilisé pour briser des coquillages. Quelques mots sur la bijouterie-horlogerie de mon arrière-grand-père qui a développé dans ce domaine une culture de l'innovation. Et si je devais résumer en une phrase cette culture de l'innovation, c'est la devise suivante que j'ai mise en bas de cette slide. L'horlogerie a besoin d'OPA, oser, préparer et anticiper l'avenir. Alors, vous l'avez peut-être vu dans la vitrine de cette bijouterie-horlogerie, il apparaît sur le fronton, mais aussi dans la vitrine, une marque de montre qui fait beaucoup sensation, c'est la marque Zenith. Alors, plusieurs personnalités ont porté des montres Zenith, je pense en particulier à Gandhi, guide spirituel et politique de l'Inde, mais aussi, je pense à un pionnier de l'aviation qui s'appelait Louis Blériot et qui appréciait beaucoup les montres Zenith, en particulier pour leur grande ponctualité, mais vous avez ici sur cette slide les noms de grandes figures qui ont aussi porté ce type de montre. Alors, l'horlogerie, j'en parle et je vais vous expliquer le parallélisme qui a existé avec l'univers de la nutrition santé. En Franche-Comté, une inscription à l'UNESCO a fait parler d'elle, puisque vous savez sans doute que les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d'art ont été inscrits à l'UNESCO. C'est une valorisation importante d'une tradition emblématique de Besançon et de son ouverture avec les portes de la Suisse. Mais il a aussi existé un arc horloger transmanche avec la baie du Mont-Saint-Michel et qui a été encouragé grâce aux travaux de Lucie Randouin, ce qui montre l'extraordinaire décloisonnement et le bouillonnement scientifique de ces travaux. La candidature de l'inscription portée par la France et la Suisse du savoir-faire horloger est intéressante parce qu'elle a été jugée exemplaire par la mise en évidence d'un patrimoine culturel immatériel transfrontalier. Et je crois que cet élément transfrontalier est extrêmement intéressant, à la fois d'une part au titre de l'histoire de l'horlogerie, mais bien entendu pour le sujet qui nous réunit aujourd'hui, le passage de témoin scientifique que Lucie Randouin a développé entre science et nature. Dans la géologie des éléments, et en particulier dans l'Yonne, je voudrais aussi parler de l'importance du quartz qui aujourd'hui s'inscrit dans des signatures architecturales importantes de demain. Vous avez ici l'exemple d'un quartier dans la gare de Rennes, un quartier européen des affaires, qui justement met en valeur ce quartz qui a eu une importance aussi très importante en horlogerie, en particulier en Extrême-Orient. En ce qui concerne le Japon, avec la marque Seiko, qui a été une marque pionnière qui a concurrencé pendant longtemps la Suisse en commercialisant la première montre à quartz. Alors, je vous parlais de cette horlogerie-bijouterie dans la baie du Mont-Saint-Michel, avec une marque Zenith qui a fait sensation. Cette marque Zenith et le fruit d'un inventeur qui, en territoire suisse, va exploiter un élément naturel extrêmement fort qui est la lumière. Il va concevoir et imaginer de vastes espaces lumineux dédiés à l'horlogerie où le travail est contrôlé
de bout en bout et industrialisée en s'inspirant notamment de techniques nord-américaines. Et la réunion de l'ensemble de ces métiers horlogers est à l'époque une véritable innovation. Alors, revenons un peu dans la baie du Mont-Saint-Michel pour expliquer effectivement ce lien, ce carrefour entre la nutrition, le savoir-faire horloger et les travaux de Lucie Randouin. La baie du Mont-Saint-Michel a été un pôle d'innovation. L'innovation a circulé très très vite, notamment parce qu'un défi a été observé dans l'extraction de coquillages et de minéraux marins. Et très vite, le savoir-faire horloger s'est reconverti pour exploiter et briser des coquillages marins qui pouvaient avoir un rôle en matière de nutrition et en particulier en matière d'alimentation pour le bétail, ce qui a développé des débouchés extrêmement rapides à l'échelle du Grand Ouest de la France, avec Nantes, avec Saint-Malo, avec également les îles anglo-normandes et plusieurs régions très agricoles, la Bretagne et la Normandie. Alors, entre terre et mer, l'arc horloger transmanche a été un véritable cluster de valorisation de la propriété intellectuelle, de l'agriculture et des sciences du vivant, en utilisant le pouvoir des biotechnologies marines et de la nutrition santé. Je vais m'y attarder en particulier parce que Lucie Randouin a véritablement encouragé des travaux très précurseurs sur le calcium, et en particulier le calcium de l'œuf. J'ai insisté sur le rôle de battante qu'elle a eu dans la période d'entre-deux-guerres, marquée par des pénuries alimentaires, et elle va s'intéresser à des industriels qui, dans la baie du Mont-Saint-Michel, souhaitent développer l'écosystème extrêmement riche en calcium. Ce sera particulièrement le rôle que développeront les industries probiomères, qui ont été développées par mon arrière-grand-père, qui va utiliser les coquilles d'huîtres, en particulier pour nourrir les animaux, et en particulier les poules. C'est un rôle qui va se développer pour la filière avicole et qui va donner naissance aux industries probiomères, avec un processus de créativité qui émerge dans les années 20 et les années 30, il y a à peu près 10 ans de tâtonnement pour reconvertir un savoir-faire horloger et l'inscrire dans toutes les adaptations des ressources et des richesses de la mer. L'alimentation minérale des animaux va justement être un élément d'intérêt qui va déclencher des relations épistolaires avec Lucie Randouin, qui à l'époque développe sa carrière parisienne. Alors ici, vous avez un coquillage qui a fait beaucoup parler de lui. C'est tout simplement le premier logo des industries probiomères, et ce logo en fait a déclenché à l'époque un contentieux avec la société Shell qui développe les stations-service et qui considérait à l'époque que ce logo rentrait malheureusement beaucoup trop en concurrence avec le logo que vous connaissez sans doute, des stations essence, des stations service qu'on retrouve sur les routes de Bourgogne, Franche-Comté. Alors, Lucie Randouin a été véritablement au cœur d'un incubateur de l'engagement, puisqu'elle a encouragé les travaux des industries probiomères qui seront récompensés par la prime d'honneur du ministère de l'Agriculture. C'est une bourse de l'innovation qui avait été créée à la suite de la grande crise de 1936 et qui a justement été là pour mettre en valeur une culture du brevet et surtout participer au réarmement de nouvelles filières d'approvisionnement avec des circuits
qui soit extrêmement bien organisé avec l'ensemble des industries. Les œufs étaient très fragiles à cette époque et sur une douzaine d'œufs, il n'en restait malheureusement que deux. Et donc, le calcium du sable coquillé va être utilisé comme alimentation pour le bétail et permettre de renforcer le calcium et notamment le calcium des œufs de poule. En les rendant plus résistants, ils facilitent le transport et les ventes et peuvent rapidement se transporter par train jusqu'aux Halles de Paris. Alors, les industries probiomères vont aussi, pour se développer, s'associer avec des marins-pêcheurs, à la fois aiguillés par les conséquences traumatisantes des pénuries alimentaires, mais aussi par l'avance des Britanniques, qui étaient très en avance et qui avaient beaucoup mieux organisé les filières de pêche, mais aussi la filière du lait. Et la France voulait justement rattraper son retard et mettre en place des filières ultramodernes. Alors, pour se développer, les industries probiomères vont se porter acquéreurs d'un bateau qui va s'appeler le Saint-Pierre. Je me permets d'insister sur le nom de ce bateau qui faisait aussi référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey dans les îles anglo-normandes et qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Alors, ces noms de l'histoire biblique sont aussi très présents dans des traces du patrimoine de Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique grâce à des pionniers bourguignons qui se sont établis en Nouvelle-France, au Québec. Alors, les industries probiomères ont fonctionné parce que la plupart des procédés ont été aussi brevetés avant de les industrialiser. Et pour se développer, il a fallu mettre en place des partenariats atypiques. Ce sont en particulier des contacts avec des filières de l'économie monastique, en particulier les moines de l'abbaye de Sept-Fonds dans l'Allier, qui fabriquent toujours aujourd'hui un complément alimentaire qui s'appelle la germaline. Et puis, bien entendu, c'est le rôle prépondérant, fondamental, de cette grande biologiste, Lucie Randouin, qui a eu une influence aussi remarquable sur de grandes communes littorales, et en particulier dans des ports qui ont utilisé des hangars, qui stockaient des marchandises, en particulier, je pense à l'histoire du hangar à bananes dans le port de Nantes, qui lui aussi était très intéressé par le rôle et les travaux précurseurs de Lucie Randouin en ce qui concerne les vitamines. Il y a eu aussi d'autres expériences qui ont été encouragées. Je voudrais parler du rôle des Terre-Neuve, qui étaient ces pêcheurs qui allaient pêcher le secret de Terre-Neuve, c'est-à-dire la morue, sur les bancs de l'Atlantique Nord. Et Lucie Randouin a beaucoup mis en valeur dans ses conférences l'importance de l'huile de foie de morue. Elle a aussi beaucoup encouragé la pêche au saumon de Norvège, encouragé des produits naturels, des produits sains pour l'alimentation qui ne soient pas trafiqués par les humains. C'est également un plaidoyer en faveur du gros sel de l'île de Noirmoutier, mais également des richesses salicoles de l'île de Ré. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement, Lucie Randouin a encouragé beaucoup d'innovations et elle a été aussi là pour réfléchir avec des scientifiques, avec des industriels, à des alternatives. Je vous ai parlé des coquilles d'huîtres qui ont été utilisées parce que la mer est entourée de calcium et les coquillages marins sont véritablement des transmetteurs de ces richesses. Il y a eu dans les années 60 beaucoup de maladies qui ont frappé des parcs d'ostréiculteurs et rapidement, ce sont des Japonais qui sont arrivés pour proposer de nouveaux essaims et qui ont aidé à reconstruire les parcs
qui avaient été décimées. Mais des alternatives seront aussi recherchées auprès d'importateurs, en particulier dans les ports de Nantes et de Saint-Malo. Et c'est la farine de manioc qui sera notamment encouragée. Farine de manioc qui est encore aujourd'hui très utilisée dans l'océan Indien et en Afrique. Je me permets d'insister sur ce point parce qu'on avance progressivement vers la prochaine COP26 qui se déroulera au Royaume-Uni. Et l'amidon de manioc est aussi une technologie utilisée dans beaucoup de pays émergents, en particulier en Indonésie, pour remplacer les sacs plastiques qui sont des déchets qui malheureusement concernent les continents, mais aussi les océans. Et progressivement, de grandes entreprises s'impliquent également dans ce débat extrêmement important et stimulant en matière d'économie circulaire. Je veux citer l'exemple de L'Oréal, mais aussi des Kenyans qui sont partie prenante dans cette dynamique. Alors, Lucie Randoin a ici beaucoup eu d'impact et d'influence auprès du syndicalisme agricole. Elle a notamment été en contact, je vous parlais d'échanges épistolaires. Elle a, par ses conférences, aussi beaucoup intéressé des filières en matière d'économie circulaire. Économie circulaire, pas seulement avec l'agriculture, mais aussi avec les îles. Et ça, c'est un axe extrêmement important. Les îles, on l'oublie souvent, sont des laboratoires d'innovation et sont des laboratoires de résilience. Et je pense à une grande figure de Besançon qui résume assez bien ce formidable passage de témoin entre terre et mer, c'est Victor Hugo, grand écrivain de Bourgogne-Franche-Comté, qui a passé plusieurs années de sa vie en exil à Guernesey, mais aussi à Jersey, pendant près de 15 ans, et il a écrit une œuvre exceptionnelle qui s'appelle « Les travailleurs de la mer ». Et je crois que c'est un clin d'œil exceptionnel avec le grand passé horloger, en particulier à Besançon, en Franche-Comté, mais qui fait rayonner justement cette grande région vers l'océan, avec une figure exceptionnelle que Victor Hugo a imaginée, qui était un roi au crinier de l'océan, qui refusait le droit d'entrée de l'or et de l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie ayant en cours est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors aujourd'hui, Lucie Randoin, il existe un prix Lucie Randoin qui est attribué chaque année au cours des Journées nationales de diététique et de nutrition. Je pense que collectivement, on pourrait certainement imaginer d'autres formes de valorisation parce que son parcours d'oiseau migrateur est exceptionnel entre science et nature, mais vous le voyez dans cet exposé, elle a eu un rôle prépondérant dans les sciences de la vie, dans les domaines de la botanique et puis des ouvertures intéressantes à travers la nutrition, la géologie et bien entendu les biotechnologies. C'est sans doute ces pépites de territoire qu'on a aussi besoin aujourd'hui de mieux valoriser, de mieux faire connaître et c'est certainement un formidable rôle d'ambassadeur qui mériterait d'être valorisé pour l'économie circulaire de la Bourgogne-Franche-Comté. Certaines villes sont aussi très en avance sur ces sujets. Je voudrais parler d'une initiative de la ville de Strasbourg qui a mis en place un programme qui s'appelle l'industrie magnifique et qui consiste à faire renaître, à mettre en valeur dans l'espace public des vieux métiers, des croisements de filières, des grands savoir-faire créatifs et innovants qu'on aurait peut-être un peu oubliés. Et je crois que l'industrie magnifique, qui est actuellement développée par le directeur marketing monde de Cronenbourg, pourrait peut-être intéresser la régénérescence, la mise en valeur justement de connaissances qui se sont décloisonnées et qui ont voyagé entre les territoires. La pensée de Lucie Randoin a aussi une forme très importante dans des ports. J'ai parlé de Nantes et de Saint-Malo, mais il y a aussi Bordeaux. Il y a aussi le port de Lorient qui ont eu
des lieux emblématiques, des grands halles frigorifiques qui étaient aujourd'hui et hier des lieux extrêmement forts dans la mémoire du stockage et dans le domaine de l'approvisionnement et de l'importance de la nutrition, des vitamines. Et je voudrais vous parler à ce titre d'un autre exemple qui est ce projet de tiers-lieux maritimes actuellement porté à Lorient. Lucie Randouin est une personnalité qu'on a oubliée et je crois que l'actualité qu'on vit aujourd'hui nous invite peut-être à nous réintéresser à son parcours, à les avatars de sa vie qui sont extrêmement atypiques. Et je voudrais, à travers cette conférence, lancer un appel en faveur d'un timbre à son effigie. Vous pouvez retrouver rapidement sur Internet, sur la plateforme change.org, un appel qui a été lancé, que je vous invite à rejoindre si vous êtes sensible à son parcours. J'ai également pris l'initiative de transmettre un dossier documenté à Philaposte, qui est une filiale du groupe La Poste, chargée de l'édition philatélique et en particulier celle de 2023, qui sera notamment consacrée au vaccin. Et j'ai aussi pris l'initiative de contacter des médias locaux et d'en parler à quelques élus qui pourraient éventuellement mettre en valeur cette initiative. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été très long. Vous dire qu'il existe un pont exceptionnel entre Beurre-sur-Otte et la nutrition santé qui a rayonné au-delà des océans. Je voudrais vous remercier à tous pour avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Et je vous propose maintenant de réagir si vous avez des questions, des réactions, quelques minutes avant de clôturer ensemble les échanges pour cette visioconférence de 45 minutes. Merci à vous. Alors, il existe aussi une bulle de discussion dans laquelle vous pouvez écrire ou poser des questions si votre micro ne fonctionne pas. Avez-vous des questions ou des réactions? Bonjour, je suis Bertrand Urban, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Alors la visioconférence en fait est prévue, avec Zoom est limitée à 40 minutes. Je vous invite à poser votre question directement si... Oui, alors je voulais savoir s'il y avait parmi les participants des personnes qui étaient de Lyon et qui avaient dans l'idée de vous accompagner dans les démarches que vous avez initiées par rapport à Madame Lucie Randouin, notamment par rapport à change.org. Et est-ce qu'il a paru important pour les gens de Lyon qui seraient éventuellement présents de la réhabiliter et de mener sur le territoire des démarches en ce sens, dans la logique de la conférence. Merci à vous pour votre intervention. Alors, cette conférence est un peu une première et peut-être que l'exercice mériterait justement d'être relayé sur des pôles de Lyon qui s'intéresseraient justement à cette thématique. On a eu l'occasion d'en échanger ensemble. Il y a bien sûr la commune dont elle est native, qui est un ancrage extrêmement important. Et peut-être des collectivités ou des associations ou des réseaux scientifiques, des réseaux de mémoire pourraient aussi être intéressés pour porter justement ces traces dans Lyon. En tous les cas, moi, je ne suis pas originaire de Lyon, mais je serais tout à fait intéressé pour vous aider et vous apporter mon appui si vous avez besoin de recueillir des éléments sur ces travaux. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie.
Écoutez, en tous les cas, cette conférence sera enregistrée et restituée en vidéo sur YouTube, ce qui permettra aussi peut-être de digérer un peu le contenu et d'explorer d'autres pistes justement dans Lyon qui pourraient valoriser sa mémoire. Je voudrais vous remercier pour votre attention et s'il n'y a pas d'autres questions, les slides seront bientôt, bien entendu, mis à disposition. Si vous souhaitez en prendre connaissance, et je me tiens à votre disposition, si vous souhaitez également approfondir ce sujet. Je vous remercie. Je regarde si dans la bulle de conversation, il y a aussi des réactions. Si certains n'ont pas la possibilité de réagir avec le micro. Bien, bah écoutez, c'était une première conférence, première intervention, et si vous souhaitez nourrir en tous les cas ce débat, je reste ouvert si vous êtes désireux aussi d'organiser d'autres temps d'échange. Je vous souhaite une très bonne journée et merci à tous pour votre attention.